La Bible pour les enfants. Joseph et ses frères. Jacob grandit à son tour. Il a 12 fils. Le plus jeune, Joseph, reste toute la journée aux côtés de son père. Ses grands frères travaillent dur dans les champs et disent que Joseph est le préféré. Les frères de Joseph se moquent sans cesse de lui et lui jouent de bien mauvais tours. Un jour, ils sont tellement jaloux qu'ils le jettent au fond d'un puits. Quand une caravane de marchands égyptiens approche, « Enfin, sortons Joseph du puits et vendons-le aux marchands, bon débarras !» Jacob est désespéré. Il croit que Joseph est mort, mais Dieu veille sur lui. Joseph devient l'ami du roi d'Égypte, le pharaon. Un jour, il y a une grande famine. C'est Joseph qui distribue la nourriture. Dans la foule, Joseph reconnaît ses frères. Plus tard, il les embrasse et il leur pardonne tout. Les frères de Joseph s'installent en Égypte avec leurs femmes, leurs enfants et tous leurs serviteurs. Cette grande famille forme le peuple des Hébreux.